Ces toiles, elles font partie de la série de peintures à l'encre sur toile. L'idée, c'est de réinventer cette peinture traditionnelle chinoise qui est toujours sur l'encre. Dans le passé, toujours sur papier. Aujourd'hui, je voudrais la transposer sur l'encre afin d'augmenter son expression, élargir sa force. Ciel couvert de nuages, une ligne d'horizon pourtant, une lumière qui s'échappe pourtant à la ligne d'horizon et aussi au-delà de l'horizon. C'est un petit peu cette perspective de la vie. Parfois nous avons l'impression d'être arrêtés par un écran, un mur infranchissable et pourtant il y a une lumière qui nous attire dans l'horizon, qui nous fait continuer à debout, à poursuivre. Au moment de la réalisation de cette toile, j'ai pensé à cette vie qui ressemble à un pèlerinage. Pourtant, on se fatigue, on marche. Personnalité qui surgit dans l'horizon de cette toile ressemble à des pèlerins. Pèlerins, pour aller où, pour aller voir quoi, on ne sait pas, parce que l'horizon n'arrête pas et sans cesse on recule. L'horizon recule au fur et à mesure, nous en avançons. Quand je parle de la Renaissance, et c'est également une idée de faire renaître l'encre de Chine d'une façon plus moderne, plus contemporaine, l'idée de transposer l'encre de Chine sur toile. Et en même temps, la réaction de papier de riz par rapport à l'encre est extrêmement subtile. Et cette subtilité est impossible de apparaître sur toile. Et pour cette raison, je récompense par cette manque de subtilité, par rajout des matières, par le collage. Et le collage me permet encore une fois de retourner vers le papier de Chine, que je pense que j'abandonnerai jamais. L'œuvre est intitulée Théâtre humain. Alors en Chine, nous avons un proverbe, les acteurs sont des fous et les spectateurs sont des idiots. C'est connu, la vie est un grand théâtre. Sur cette toile, il y a nettement une atmosphère de révolte. Alors pour tous ceux qui ont vécu dans un régime autoritaire, je pense qu'à moins qu'on soit extrêmement insensible, l'idée de la révolte ne peut pas déserter nos mondes. Et cette cercle qui nous entoure et également s'échapper, partir, se révolter. Ces portes peintures ici m'ont été inspirées par le porte kimono. J'ai vécu 2 ans au Japon. Le Japon m'a laissé énormément de chocs visuels. Le choc visuel de sa beauté, de sa simplicité, de l'élégance, de cet raffinement. Cette forme ressemble également à des torii japonais. Torii, alors, ce sont les portes qui se situent devant les temples japonaises. Et donc ça signifie franchir cette porte pour rentrer dans un temple et on se lave les mains. C'est le marquage de
du monde matériel vers le monde spirituel. En franchissant la torée, on rentre dans le monde spirituel. On passe un petit moment de réflexion, sur, se questionner sur le sens. Si il y a un mot qui me plaît beaucoup dans la langue européenne, qui est une traduction chinoise d'ailleurs, c'est bien le mot de la renaissance. Renaissance parce que la Chine, mon pays natal, m'a donné la vie. Mais Paris a ouvert ses bras pour m'accueillir. Et ensuite, j'ai l'impression d'être renée en Europe. Et dans les années 90, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie l'héritage de l'art de la Renaissance italienne à Florence. Et toute ma carrière d'une peintre, une peintresse, a commencé là, dans ce choc, vraiment choc visuel, spirituel que j'ai reçu à la Renaissance. J'ai reçu à Florence, dans cette cité de la Renaissance, qui m'a amené aujourd'hui à Venise.